Chers amis internautes, nous sommes heureux de vous retrouver pour partager ensemble une thématique, cette fois-ci, qui tourne autour du sacrement du baptême. Alors déjà, le mot baptême, le mot sacrement, ça paraît tellement compliqué. Pour faire simple, on va dire que le baptême, c'est un des sacrements de l'initiation chrétienne. Et le mot sacrement, sacramentum, qui nous rappelle aussi l'alliance que Dieu fait avec l'humanité. Le mot baptême lui-même veut dire plongeon, parce que par le baptême, nous sommes plongés dans la vie de Dieu, dans la vie du Christ mort et ressuscité. Et le baptême, c'est aussi une immersion hein, dans cette vie de Dieu. Et le baptême peut être demandé à différents âges. Il y a ceux qui demandent le baptême des tout petits enfants, des bébés. Et puis, on a des demandes de baptême d'enfants d'âge scolaire, de jeunes, d'ados, d'adultes, ce qu'on appelle les catéchumènes. On va particulièrement s'intéresser à la préparation au sacrement du baptême. Alors, j'ai la joie d'accueillir Marie-Paul et Agnès, qui sont toutes deux engagées dans cette préparation au baptême depuis quelques années. Et puis, on va essayer de discuter un petit peu ensemble pour découvrir un petit peu en quoi consiste une préparation au sacrement du baptême. Alors, je me tourne tout de suite vers Marie-Paul pour lui demander depuis combien de temps tu es plongée un petit peu dans cette mission ou comment tu as été appelée à y entrer. Oui, ben moi ça fait une dizaine d'années donc que j'ai été contactée tout d'abord par Joseph Pétri, qui était mon catéchiste pour ma première communion. Donc je pense qu'il a pensé à moi par rapport à ça, c'était un voisin, il me connaissait bien. Et d'autre part Bernard, que j'ai rejoint après dans un groupe qui s'appelait Les âmes vaillantes. Donc Bernard en pensait également à moi parce qu'il me connaissait également. Et c'est de bon cœur que j'ai accepté cette mission. Voilà. Et Agnès, toi ? Alors moi, c'est tout simplement parce que je m'occupais déjà des ateliers d'éveil à la foi avec de jeunes parents et j'avais cette mission au sein de l'Église. Et ensuite, j'ai demandé pas à changer de mission, mais avoir une autre mission qui se rapproche un peu de l'éveil à la foi. Et le baptême, voilà, c'était une mission qui me convenait tout à fait. Et ça me permettait d'avoir aussi le contact avec des jeunes parents et de leur présenter aussi l'après-baptême. Voilà. Alors, on remarque que lorsqu'il y a plusieurs personnes engagées dans la préparation au baptême, eh ben, c'est toute une équipe avec les prêtres, le ou les prêtres qui prend en charge cette mission importante ou cette pastorale de la préparation au baptême. Et on se rend compte que c'est peut-être une façon de montrer que c'est toute la communauté qui doit se préoccuper de l'accueil d'une telle demande du sacrement du baptême. Alors, on va peut-être poursuivre un petit peu notre réflexion en nous intéressant un peu de plus près des différentes familles, types de familles, de personnes qui viennent demander le baptême et peut-être un petit peu leur motivation. Alors, Agnès, je me retourne vers toi de façon un peu générale et puis après, on regardera peut-être des cas particuliers. De façon générale, la plupart du temps, les personnes qui demandent, c'est quel type de personnes qui viennent ? Ben, ce sont des parents avec de jeunes enfants qui viennent donc demander le baptême. Voilà. Et... Souvent, c'est des petits-enfants, des bébés. Des bébés, oui. Des enfants jusqu'à 3-4 ans, on va dire, oui. Et ces parents, bien, ils viennent surtout demander le baptême par tradition. C'est ce qu'on entend souvent. Et lors de la discussion, lors du partage, on essaye d'aller un peu plus loin et de réfléchir un petit peu avec eux tout le sens que l'on peut donner à une préparation au baptême. Voilà, on reviendra tout à l'heure hein, de cette préparation sur le déroulement type d'une soirée de préparation parce qu'effectivement, ce n'est pas une mince affaire, on ne bâcle pas une telle demande, un sacrement de... c'est un événement important à vivre en famille, bien sûr, mais aussi à bien préparer comme on prépare une belle fête. C'est toujours des préparatifs. Alors Marie-Paul, je me tourne vers toi, je ne sais pas si tu auras une réponse à me procurer, mais dans tes années d'expérience, est-ce que tu as là ou l'autre cas de figure de demandes particulières qui t'ont frappé parce que c'était des situations particulières ?
Oui, quelquefois on est amené à rencontrer des gens des familles monoparentales ou alors des familles recomposées. Donc effectivement, ils n'ont peut-être pas la même démarche que les autres familles, mais on accueille tout le monde, donc on est toujours prêt, on est ouvert à tout dialogue avec ces familles-là également. Voilà, alors je crois que c'est très intéressant de se rendre compte que par rapport à un sacrement comme celui du baptême, il peut concerner tout le monde. Et lorsqu'on accueille, on est amené à accueillir des familles différentes, eh ben on est confronté à des situations, j'allais dire, très diversifiées, parfois aussi. Des personnes qui ont une grande préoccupation, ils aimeraient vivre le baptême, mais ils ont parfois des problèmes ou des choses qui les empêchent d'aller jusqu'au bout de la démarche, parce que effectivement, lorsqu'il y a famille monoparentale ou lorsqu'il y a garde alternée, il faut l'autorisation des deux parents et parfois on peut être aussi amené à clarifier des situations ou au moins à faire face. Alors, on va peut-être s'intéresser au déroulement de la préparation au baptême. Je vais tout simplement, Agnès, tu peux peut-être nous dire de façon générale le déroulement d'une soirée. Alors, le déroulement d'une soirée, c'est d'abord l'accueil, parce que ça, c'est un élément privilégié de la préparation au baptême, bien accueillir les parents. Il faut savoir qu'il y a des parents qui viennent avec une appréhension, ils ont peur, qui n'ont jamais mis les pieds dans un presbytère par exemple, ou qui n'ont pas eu l'occasion de rencontrer un prêtre non plus, et qui viennent là avec beaucoup d'anxiété. Et donc nous, notre premier travail, entre guillemets, c'est de les mettre à l'aise. Je pense que Marie-Paul sera d'accord, hein, c'est de donner toutes les conditions pour que les gens se sentent à l'aise. Ensuite, on parle de leurs enfants. Ça, c'est très important. On fait un petit tour de table. Bien sûr, on se présente et on parle de leurs enfants, de ce qu'ils ont vécu, si la grossesse s'est bien passée. Et souvent, les gens nous racontent des situations où, difficiles, où il y a eu des problèmes familiaux. Et une fois ce temps d'accueil passé, eh bien, nous entrons plus précisément dans le sens du baptême. On leur explique un petit peu les différents gestes, les paroles qui sont dites lors d'une célébration du baptême. On a essayé de réfléchir avec l'équipe pour parler en termes simples du baptême, parce qu'on se rend compte qu'on a forcément notre jargon. Et nous, on essaye d'être le plus clair possible auprès des familles, d'avoir vraiment le langage, le vocabulaire adapté. Et donc, on se sert vraiment, on a un petit déroulement là qui fait que on parle le plus simplement possible avec un vocabulaire approprié aux familles que l'on reçoit. Alors on va peut-être s'arrêter un instant sur ce que tu viens d'évoquer, cet énorme écart. On va pas réduire la demande sacramentelle à une offre commerciale, mais si on prend un petit peu les paramètres d'une offre commerciale, on parle en termes d'offre et de demande. Souvent la demande de la part des personnes, ils demandent le baptême pour leur enfant, ils demandent le baptême et nous on leur offre un sacrement à vivre et à préparer. Ils ne savent pas forcément que le baptême, c'est un sacrement. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage ou un écart entre cette offre et cette demande. Et le premier temps de la préparation, effectivement, c'est le temps de l'accueil. Et là, on bute aussi un peu contre un autre écart ou écueil, c'est que les personnes viennent avec des appréhensions, avec des peurs, des clichés. Alors, on pourrait se demander, mais ils vivent dans quel siècle? Parce que ça fait des décennies
que l'Église n'est plus que ce qu'il croit, n'est plus ce qu'elle est, ce qu'il croit que l'Église, elle est encore ceci, cela. Et alors, je ne sais pas, Marie-Paul, est-ce que ça les surprend quand ils sont d'abord accueillis par vous? Le prêtre, il peut être là ou ne pas être là. Ils sont surpris comment ils réagissent ou ils sont vite à l'aise au moment de cet accueil? Pas du tout, justement. Je pense que au niveau de l'accueil, ils sont rassurés par des laïcs, justement, des gens comme eux qui vivent la même chose tous les jours en dehors de l'Église. Et donc, ça les rassure et je trouve qu'ils sont pas mal à l'aise. Ils arrivent bien à se mettre en confiance. Si je peux ajouter quelque chose, je dirais que nous aussi, on se présente comme témoins, parce que nous aussi, nous sommes mères de famille, nous avons aussi eu des enfants, on donne notre expérience, nous sommes un peu les aînés de la foi, et ça, c'est important aussi. Alors, on remarque que accueillir des familles qui demandent un baptême, c'est aussi pour ceux qui préparent, et je parle en notre nom à tous, on n'est pas là dans un rapport, j'allais dire, ni d'enseignant, d'enseigné. On est plutôt dans un rapport d'accueillant. Et puis en même temps, on a la posture du témoin, mais aussi comme animateur de préparation au baptême. Et là, même comme prêtre ou laïc qui sommes dans l'équipe de préparation, nous, on est précédé. Dans notre dynamique, on est précédé par Dieu lui-même. Et quand des personnes viennent, c'est un peu Dieu qui vient à notre rencontre. C'est un peu réciproque. Hein? Nous, on vient à leur rencontre comme Dieu qui vient vers eux. Mais aussi, ça va dans les deux sens. On n'a pas l'habitude hein, de concevoir la préparation de cette façon. Donc, on a une dimension, on va peut-être parler un petit peu de cette dimension spirituelle de la préparation au baptême. Parce que là, on a abordé la question un peu pastorale, ce qu'on appelle la pastorale de la préparation au baptême, c'est-à-dire il y a une réalité qui est l'accueil, il y a ce besoin de leur transmettre la question de fond, le sens du baptême, mais avec un langage accessible et simple, mais il y a aussi une dimension spirituelle, c'est-à-dire l'esprit dans lequel ils vont vivre eux-mêmes cette célébration du baptême, et il y a l'esprit dans lequel nous, on va vivre cette préparation. Et nous, on se dit, Dieu est présent en chaque personne qui vient à notre rencontre, même s'il y a encore une fois un écart, un décalage même au niveau culturel ou au niveau du savoir. Beaucoup de personnes n'ont plus aucun lien ou très peu de lien avec l'Église ou n'ont très peu de connaissances de la foi chrétienne. Et pourtant, ils viennent. Donc, nous, on a déjà un grand respect de l'accueil de cette démarche. On s'est dit, c'est des personnes qui viennent à nous sans que nous allions vers elles. Et en les accueillant, c'est là qu'on vient vers elles. Et alors peut-être un peu témoigner toutes les deux, comment vous vivez séance après séance de préparation. J'imagine d'une séance à l'autre, on n'est pas dans le même état d'esprit. Mais je pense qu'on peut peut-être partager un peu d'abord des joies qu'on peut recevoir lorsqu'on est animateur de préparation au baptême. Agnès, si tu veux. Alors, les joies. Je dirais que, pour la question spirituelle, hein, c'est-à-dire que c'est, je dirais, la partie la plus compliquée de la soirée. Je pense que Marie-Paul sera d'accord. Hein, c'est lorsqu'on aborde cette question plus spirituelle, parce que c'est vraiment une question de foi. Lorsque on dit que Christ a vécu notre vie d'homme avec ses craintes et qu'il est mort et qu'il renaît à une vie nouvelle, qu'il y a ce geste de renaître à une vie nouvelle, hein, c'est vraiment une question de foi. Alors souvent, c'est vrai que les gens sont silencieux, ils écoutent attentivement. Et nous, souvent, on a l'impression qu'ils ont un peu peur de s'exprimer, de peur de dire une bêtise. Enfin, c'est ce que l'on a remarqué. Alors, on essaye quand même de les mettre à l'aise en se disant que finalement, nous, on est on a les mêmes questions, on se pose les mêmes questions. Hein. Finalement, on n'a pas les réponses non plus. Mais ça peut être très intéressant. Et souvent, des gens, lorsqu'ils repartent, nous disent... merci qu'ils ont vécu quelque chose, qu'ils ont découvert des choses au cours de la soirée, que ça leur a permis de se poser, de réfléchir. Et je pense que ça, c'est aussi une de nos joies, de pouvoir aider des familles à avancer un petit peu
sur ce côté spirituel. Tu veux ajouter quelque chose? Non, mais je suis d'accord avec ce que Agnès disait. Et puis même s'ils n'arrivent pas à dialoguer, ils écoutent et ils arrivent à réfléchir sur le sens du baptême à travers les gestes du baptême qu'on leur explique. Et je voulais aussi ajouter que lorsqu'on leur demande de préparer un texte dans le livret, souvent on leur dit « prenez le temps de bien lire les textes » parce que quelque part, ce texte va vous rejoindre dans ce que vous vivez. Et c'est là souvent que parfois des gens nous font des confidences à ce moment-là. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai qu'on imagine, hein, pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, en abordant la question de la difficulté d'une préparation au baptême, c'est vrai qu'il y a déjà tout un temps nécessaire pour vivre on pourrait dire un apprivoisement réciproque, parce que quand les gens viennent avec des appréhensions, le temps de l'accueil, il faut bien se poser, il faut que les gens se sentent à l'aise, en confiance. Et après, en une heure et demie, on va dire quand même, on va prendre un timing, tout le défi consiste en une soirée, en une heure et demie, de vivre ce temps d'accueil, d'aborder la question du baptême, mais avant d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, il faut d'abord s'intéresser effectivement à la venue de l'enfant qui va être baptisé. La naissance, c'est déjà un événement en soi, et autour de l'événement de l'accueil, de la venue de l'enfant, on peut déjà échanger un certain nombre de choses, parce que chaque naissance est particulière et différente et singulière, et donc on essaye d'insister sur l'événement de la naissance, et c'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude de parler d'un événement humain tout à fait, qui paraît tout à fait banal et normal, pour montrer que cet événement a changé quelque chose dans la vie du couple, a transformé l'esprit de famille, et on essaie de leur montrer que réfléchir à la naissance, ça nous permet de comprendre le baptême qui est une renaissance, une nouvelle naissance, et que tout ce qui a été mis en avant, tous les préparatifs pour la naissance, c'est pour, j'allais dire, un petit peu accueillir ce corps, cet enfant, à faire vivre, à nourrir, à faire grandir. Et le baptême m'a rappelé qu'un enfant, alors ça va être peut-être un petit peu cru ce que je vais dire, un être humain, ce n'est pas qu'un paquet de chair et d'os, c'est aussi un cœur qui bat, un esprit qui s'éveille, une âme qui vit, qui a aussi besoin d'être soutenu, entretenu, nourri. Et c'est là qu'on fait le parallèle entre baptême et naissance, le baptême et une nouvelle naissance, parce qu'il faut aussi naître dans un monde, dans une communauté de croyants qui va aussi permettre à l'enfant de grandir, pas que dans la vie, mais aussi dans la foi. Et c'est là qu'on aborde aussi la question des parrains et marraines, à qui on va transmettre la lumière le jour de la célébration pour leur dire, veillez à entretenir cette flamme, cette lumière, pour que l'enfant grandisse dans la foi dans laquelle il vient d'être baptisé. Alors peut-être un petit mot sur parfois les parrains et marraines viennent à la préparation, Marie-Paul? Oui, ça arrive, oui. On leur demande comment ils ont reçu justement l'annonce de la demande d'être parrain ou marraine. Et souvent on est surpris, on reçoit des témoignages très forts et même des gens qui nous font des textes, qui lisent le jour du baptême. Et on voit que c'est vraiment profond, que c'est bien préparé. Le rôle des parrains, marraines, et ils sont clairs quand ils viennent ou ils posent la question? Je pense qu'ils sont clairs quand même quand ils viennent, hein, mais c'est vrai qu'on apporte quelques éléments aussi en leur disant que le rôle du parrain et de la marraine est avant tout un rôle de partage de l'éducation chrétienne et humaine de l'enfant, et ça, les gens, je pense qu'ils l'ont bien compris. Je suis toujours frappée par le choix qu'ils font, le temps qu'ils se donnent pour choisir un parrain et une marraine. C'est très touchant, hein, souvent. C'est très réfléchi et quelquefois même, ils changent au dernier moment parce qu'ils se disent, c'est peut-être pas la bonne personne qu'on a choisie, on a réfléchi, finalement on prendra telle et telle personne. Et à ce propos, j'ai une petite histoire en fait, c'est que lors d'une préparation au baptême, on avait discuté un petit peu sur le rôle des parrains et marraines. Et quelques jours plus tard, je reçois un appel téléphonique de la maman qui me disait « Est-ce qu'il est encore possible de changer de marraine ?» Alors, je dis « Oui, c'est tout à fait possible, hein. Le baptême n'est pas encore prévu tout de suite. » Et elle me disait
Finalement, lorsqu'on a discuté du rôle des parrains et marraines lors de la soirée de préparation, on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne marraine. Mmh. On a, voilà. Pour dire que ça, oui, parce le choix que... est important. Et qu'ils ont pris conscience du choix. Oui. Alors, c'est vrai que dans nos débats internes, lorsqu'on fait un peu le bilan des préparations, on se rend compte que parfois, et non seulement il faudrait parler de préparation du baptême, mais il faudrait parler peut-être d'une préparation d'un avant-baptême, d'une avant-demande. Parce que si des personnes passaient à la paroisse pour se renseigner, un petit peu en détail sur le sens du baptême, de la préparation avant de s'y engager, il y aurait certainement encore une autre démarche. Mm-hmm. Alors on arrive à la fin un petit peu de, parce que vous, chers amis internautes, vous voyez qu'on pourrait débattre longtemps sur la préparation du baptême. On va peut-être terminer par ce dernier chapitre. Une fois que le baptême a eu lieu, bon, la plupart ont déjà assisté, participé à une célébration. Elle peut paraître rituelle ou banale ou routinière parce qu'on a déjà tous participé à un baptême. Mais lorsque soi-même on est impliqué dans, ça prend une toute autre dimension parce qu'effectivement, Agnès, tu as dit que les parents peuvent choisir un texte qu'ils vont pouvoir lire, ou le parrain ou la marraine, etc. Et puis c'est souvent familial. Si le baptême ne se fait pas au cours d'une messe, c'est un petit peu entre la famille, parfois plusieurs familles. On va peut-être un petit peu dire encore quelques mots. Une fois que le baptême est fini, qu'est-ce que vous avez comme écho? Alors, je sais que vous avez un livre d'or, il doit marquer plein de choses. Qu'est-ce qui s'exprime un petit peu, Agnès? On aurait pu vous emmener le livre d'or et le lire, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des remarques très intéressantes. Vous avez quelque chose en tête, comme ça, quelques exemples? C'est souvent des merci. Oui, des remerciements. Par rapport à la préparation au baptême, par rapport à l'accueil, justement, toutes les personnes qui sont présentes au baptême. Toute l'équipe, ouais. C'est important aussi d'accompagner ces gens-là pendant le baptême. Voilà, un petit peu. Et la célébration, les belles célébrations, les gens relèvent aussi la qualité de la célébration. C'est vrai que nous, on se donne un point d'honneur à assister au baptême. Ouais. C'est tout à votre mérite, ça c'est vrai. Parce que voilà, on a vécu un temps avec les familles et puis il nous semble normal de les accompagner jusqu'au bout. Alors non seulement vous êtes une équipe pour une préparation spirituelle pastorale, mais vous êtes en plus une équipe qui avait des doigts de fée et vous faites aussi une préparation, on va dire matérielle. Donc vous proposez pour chaque enfant de personnaliser une bougie. Avec la date du baptême et le prénom. Hein. Donc, comment c'est venu l'idée de d'aller jusque-là? C'est une idée que j'ai eue un jour, parce que je l'avais fait pour des amis, et puis les gens ont tellement apprécié, et puis je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être faire plaisir, et c'est un joli souvenir. Et c'est vrai que les gens y tiennent beaucoup. Souvent, les gens, lorsqu'ils reviennent, les familles qui ont déjà bénéficié d'une bougie pour l'aîné, nous redemandent si on refait une bougie pour le deuxième ou le troisième enfant. Et c'est toujours bien apprécié. Et toi, Marie-Paul, tu aimes bien bricoler? Oui. Tout à fait, oui, tout à fait. On aime bien participer à cet atelier de bougies. Et d'ailleurs, ça se fait aussi dans d'autres pays, je pense. Donc, en Allemagne, il me semble que des personnes nous avaient raconté qu'elles recevaient une bougie au prénom de l'enfant. Donc, ça nous a donné un petit peu cette idée de fabriquer ces bougies. Voilà, nous remercions notre webmaster Jean-Marie de nous avoir permis de vivre un petit peu cet échange, parce que pour vous, amis internautes, je crois que c'est important. Vous pouvez aussi être un peu porte-parole, un peu missionnaire chez vous, pour encourager des personnes à ne pas hésiter à se lancer dans l'aventure du baptême. Et puis d'ailleurs, ça ne coûte rien d'aller à la porte de la paroisse, tu peux te demander si on devait baptiser l'enfant, quelles seraient les exigences. Je pense qu'il faut avoir la simplicité de se renseigner. Il est vrai aussi qu'on trouve pas mal de choses sur Internet lorsqu'on essaie de cliquer sur baptême ou préparation baptême. En tout cas, nous, c'était l'occasion de vous partager un petit peu la joie que nous avons d'accueillir des familles dans toute leur diversité, dans toute leur situation. Et puis, c'est une façon aussi pour nous de recevoir
plein de grâce dans cette mission qu'ils nous ont confiée. Merci Marie-Paul, Agnès, merci à la fois pour votre travail et puis d'avoir accepté de vivre ce partage ensemble.